Salut à tous, bienvenue dans la Cité des Émeraudes, deuxième épisode. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, donc depuis dimanche. Donc j'ai commencé à construire la base souterraine dont je vous avais parlé, mais c'est pas celle que vous voyez en ce moment. Donc en fait, j'ai commencé le dimanche, j'ai avancé aussi le lundi à midi, et puis il y a eu quelques problèmes de serveur. Ils ont eu des attaques des DOS entre autres. Il y a eu beaucoup de lag. Ils ont décidé de changer de serveur. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que la map, entre tous les problèmes qu'il y a eu, les chunks qui étaient corrompus. Donc en fait, ils ont remis à zéro le serveur. Donc on est reparti sur une nouvelle map. Donc j'ai même sur le coup, je me suis un petit peu énervé quand j'ai vu ça, mais enfin, j'ai dû refaire ce que j'avais déjà fait, mais j'ai pas encore tout refait. Mais ça va. Donc voilà le début de ma base. Donc normalement j'avais encore une culture d'arbres souterraines, ainsi qu'un portail du Nether et une culture de Netherwart qu'il faudra que je refasse. Donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a par là. Par là-bas c'est l'entrée de ma base, l'entrée secrète. Donc j'ai fait exprès, en fait j'ai mis des dalles par terre pour pouvoir faire une entrée totalement dans le noir pour éviter qu'il y ait de la lumière qui trahisse la présence. Donc je vais pas du tout vous indiquer où je suis, ni les coordonnées, ni même le genre de lieu. Mais donc voilà la base qui avance gentiment. Donc vous pouvez voir, j'ai pris un... Ça devrait se voir dans le chat. Voilà, j'ai pris en fait un pack, enfin un rang qui me permet de me connecter un accès prioritaire, et j'ai aussi un accès Nether Chest portable qui me permet de ranger tranquillement mon matériel. Ça m'a déjà sauvé une ou deux fois. Donc autrement, on est au niveau de la vie du serveur. Donc c'est dommage, j'ai pas pu enregistrer, c'était des séquences que j'ai tournées sur un autre PC. Mais pour finalement réussir à venir me planquer dans cette base souterraine, j'ai dû quitter la ville, m'en éloigner, et ça a été assez épique. J'ai été pourchassé par plusieurs joueurs, par des teams même. J'ai dû sneaker pendant dans le noir pendant des moments. J'ai vraiment dû jouer assez fin. Parce qu'il y a beaucoup de kills. C'est assez hard. Il y a vraiment des gens qui passent leur temps à tuer tout le monde. Sinon, parmi les autres nouvelles, donc quand il y a eu le problème sur le serveur, la map a été avant que le serveur revienne avec la map remise à zéro, il y a eu un petit moment en fait avec une map de test pour tester la charge du serveur. Donc je vais directement vous passer quelques extraits de cette soirée où en gros on recevait des diamants, des bouteilles d'XP, de la TNT. Puis le but c'était de faire un stress test du serveur. Vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemblait. Je vous retrouve tout de suite après. Thank you.
Voilà, j'espère que cette petite séquence vous a plu. Vous avez vu, on s'est pas mal amusé. Donc là, moi, en fait, pour l'instant, j'ai quelques ressources. Voilà, j'ai même pas ici. Ouais, voilà, j'ai 25 de. J'ai entendu du bruit. Je vérifie quand même toujours que j'ai personne qui soit là, même si je pense que je suis quand même un peu en profondeur, donc à mon avis, je devrais pas avoir des joueurs qui me voient depuis la surface. Mais je préfère quand même m'assurer. Mais donc je disais, donc là je vais aller miner un petit peu. Donc je vais couper l'enregistrement, puis je vous reprends si je trouve des choses intéressantes. Idéalement, ce serait bien que je trouve du diamant. D'ailleurs, j'ai une pioche en fer dédiée à la récolte du diamant. Vu que pour l'instant, j'utilise toujours de l'équipement en pierre autrement. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Alors, toujours pas de diamant. Par contre, là, il y a de la redstone et je trouve vraiment l'effet sympa avec ces espèces de petits éclairs qui passent. Donc je trouve que c'est oui, les textures est assez sympa. Il change des textures de base. D'ailleurs, je vais la récupérer. Hop, puis j'entends de l'eau. Il doit y avoir une source d'eau pas très loin. Faut que j'économise un peu ma pioche. Ah, il y a toujours un peu de lag. Moins qu'avant, mais il est encore présent. Il y a des petits rollbacks aussi de temps en temps, mais par rapport à avant, là c'est quand même déjà beaucoup plus jouable. Bon, je vais continuer de miner tranquillement, donc à plus tard. Toujours pas de diamants, par contre, là vous avez dû entendre le bruit. Moi j'ai entendu le bruit, au-dessus de moi, je suis remonté. Et voilà ce que j'ai trouvé. Apparemment, j'ai un donjon pas très loin. On va voir s'il a été exploré ou pas. Ce serait bien qu'il soit neuf. Ça m'arrangerait. Oh bah, directement un coffre. Par contre, il y a de l'eau au-dessus. Bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Par contre, si je casse le coffre, je vais avoir un peu un problème. Là, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est ce que je craignais. Envie de me retrouver sous. Oh, je vais casser le spawner. De toute façon, il est pas, c'est assez loin de ma base, donc je vais pas l'exploiter. Donc autant tout casser en mettant assez de torches dans le coin pour être sûr qu'il n'y ait pas de spawn. Alors, ouais, ça va être un petit peu pénible. Bon, bah, je vais faire ça tranquillement, je vous retrouve dès que j'ai terminé pour vous montrer ce que j'aurais trouvé dans le deuxième coffre. Alors, voyons voir le contenu de ce coffre. Du pain, du blé, une deuxième selle, une armure. C'est bien, les armures ainsi que les name tags peuvent être vendues pour avoir des émeraudes. Donc voilà, je suis plutôt content. Donc je vous laisse de nouveau ici, puis je vous retrouve en espérant trouver du diamant un peu plus tard. Alors toujours pas de diamant, ça fait pourtant un bon petit moment que je mine. Par contre, je viens de trouver du lapis, ainsi que un début de grotte. Donc je vais voir un peu ce qu'il y a dans le coin. Ici pas grand chose, j'ai déjà posé une torche, c'est vide. Ah, est-ce que ça continue par là? Ah, enfin! Ben, j'ai bien fait de reprendre l'enregistrement maintenant, alors. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais avant de les prendre,
Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de la lave en dessous. Et voilà mes premiers diamants sur cette sur ce serveur. Et un petit lag. Ça va. Voilà. 3 diamants. 4. Ah, et ça continue. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. On va croire que j'ai fait exprès, alors que je suis vraiment arrivé, j'ai posé ma torche, puis je me suis dit, bon, je vais pouvoir enregistrer depuis ici pour montrer un peu les ressources que j'ai trouvées. Donc, je suis content d'avoir trouvé le diamant. Je pensais pas tomber comme ça nez à nez avec. Je pensais plutôt en trouver en minant. Ah, encore un petit lag. Ah, là, c'est le fait que la carte a été remise à zéro. En fait, il y a tous les chunks qui doivent de nouveau être explorés. Donc là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pics de lag quand les gens exploraient justement beaucoup de chunks générés. Mais la carte a une taille finie apparemment, d'après ce qu'a dit un des fondateurs. Et puis donc, on devrait bientôt avoir tous les chunks de la map qui seront générés. Je sens que c'est une map de 10 000 fois 10 000, il semble avoir compris, donc de moins 5 000 à plus 5 000. Enfin, ça, si je recroise un des fondateurs, je lui demanderai directement. Ou alors, s'il regarde ma vidéo, il pourra répondre en commentaire. Et moi, avec ces petits diamants, ben, je vais aller me faire ma pioche en diamant. Ce qui va me permettre de récolter de l'obsidienne et de commencer à faire des enchantements. Et donc là, j'approche le moment où je serai autonome en termes de nourriture et de ressources. Enfin, si les lags me laissent récolter les ressources. Là, je pense parce que j'ai recommencé à enregistrer en fait. Parce qu'avant ça allait. Ça a été pendant un petit moment. Puis là, je reprends l'enregistrement et c'est lag sur lag. Donc ça, c'est bien de l'or. Encore un petit lag. Mais donc l'or, je le récupère en fait parce que ça va m'être utile si je trouve une carotte. Je pourrais commencer à faire un champ de carottes et ensuite faire des potions d'invisibilité. Ça, c'est idéal pour vu que je vais pas avoir le temps de vraiment faire du farming intensif à la place, j'ai moi. Je me suis pris un dégât. La place de faire du farming, j'aimerais bien explorer un peu, essayer de trouver les bases des autres joueurs. Donc être un peu plus offensif à ce niveau-là. S'ils laissent des coffres cachés dans leur base, bah, ce sera tant pis pour eux si je les trouve. Allez, je pense que j'ai pris des dégâts parce qu'il y a eu un petit lag et je me suis retrouvé dans un mur. Ça peut être... Puis là, je pense, c'est parce qu'il doit y avoir des blocs invisibles. Ben, ils sont invisibles, mais le serveur sait qu'ils sont là, donc ils m'empêchent de passer. Ben, je me découvre. On est 44, ah, puis on est passé à 70 slots. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'était bien. Des blocs invisibles. Là, je les prends et je vais retourner tranquillement à ma base et me préparer à cette table d'enchantement. Et je vous retrouve pour la première session d'enchantement. Je vais me faire aussi de l'équipement, vu que là j'ai pas du tout d'équipement. Je vais me faire un équipement en fer, quelque chose d'assez basique. Donc à tout à l'heure. Donc je vous retrouve encore. Je voulais faire ma table d'enchant, mais j'ai réalisé que j'avais pas de cuir. Donc je suis un peu allé à l'extérieur. J'ai vu une grotte, j'ai suivi un peu et voilà sur quoi je suis tombé. Donc un spawner à araignée avec un coffre avec un peu de blé et surtout de la musique et des sceaux. Avec un seul coffre apparemment, oui.
Donc celui-là, je vais le laisser, il est assez loin de ma base. Donc je vais le laisser ici, puis je pense pas que je l'exploiterai, les araignées c'est pas très intéressant. Mais autant ne pas laisser de traces de mon passage. Donc je vais continuer à chercher mes vaches et ma canne à sucre pour pouvoir faire mes livres. Et je vous retrouve après pour faire ma table de craft et ma table d'enchant et enchanter mon stuff. À plus tard. Alors je vous retrouve pour enfin la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez voir que j'ai plus beaucoup de stuff, j'ai fait une mauvaise rencontre pendant mon exploration. Mais ça m'a pas empêché de quand même finalement trouver après les composants qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir me faire ma table d'enchantement. Par contre j'ai plus de fer et j'ai mon fer sur moi par manque de place dans mon ender chest. Il faudra que j'aille refarmer du fer. Bon, j'ai quand même pu faire l'enclume, qui est quand même une grosse dépense normalement. Faudra aussi que j'aille à la capitale, parce que j'ai trouvé un peu de stuff, entre autres des selles, les armures de chevaux et les tags, je peux les échanger contre des émeraudes. D'ailleurs, j'ai eu ma première émeraude que j'ai eu parce que ça faisait suffisamment de temps que j'étais sur le serveur. En termes de minutes, je crois que c'est toutes les demi-heures ou quelque chose du genre. Ah oui, c'est juste. En ce moment, il y a la ville qui est en train de brûler. Il y a quelqu'un qui a fait spawner des blaze rods. Donc, il y a eu des œufs de blaze rods via un des rangs. Puis, il a fait spawner en ville. Puis, apparemment, ça a mis le feu à une partie de la ville. Donc, je vais essayer d'aller voir ce qu'il en est dès que j'ai fait ma table d'enchant. Je pense que je vais conclure ma vidéo depuis la ville. Alors, j'ai les diamants, le psy, les livres. Je vois bien. J'ai que 3 psy. Il n'y en a pas 4. Apparemment. Bah alors je vais vite aller en chercher une autre. Ah, donc ici j'ai laissé dans le noir pour quand même pas donner trop d'indices. Enfin même si je pars du principe que si quelqu'un se trouve autant près de ma base, de toute façon il finira par la trouver. Ah, petit lag. Voilà, j'ai repris l'enregistrement. C'est normal, il y a du lag. J'ai pas de charbon. Est-ce que je vais vous montrer quelque chose? Si je me fais des torches et que je les tiens en main avec les shaders, ça me fait un éclairage, donc c'est moins puissant que si je plaçais vraiment la torche. Ça compense le fait que les shaders assombrissent quand même l'image. Ah, puis j'ai eu un flint, ça m'arrange pas. Bon. Façon, comme je disais, ici il y a de la cobble partout. C'est évident que ma base est pas loin. Donc, je peux essayer comme ça. Après, je pars du principe que tout ce qui est dans ma base peut être potentiellement perdu si quelqu'un la trouve. Donc, ce qui est vraiment important, je vais le garder sur moi. Par exemple, la table d'enchantement, je vais pas la laisser. Je vais la mettre dans l'under chest en permanence. Voilà, je vais la mettre maintenant. Ça aussi, ça je peux le garder. Qu'est-ce que je peux enlever? C'est pas vital. Ah bah, j'avais encore du fer en fait. Il était juste à cuire. Mais c'est pas grave, je ferai la prochaine fois l'enchantement. Je ferai sûrement ça hors caméra donc. Pour le moment, je vais vite retourner à la capitale et m'occuper de rendre le matériel qu'il faut.
Donc je vous retrouve dans très peu de temps. Me voilà de retour dans la ville, avec presque plus de nourriture. J'étais parti avec le minimum de stuff, comme vous voyez. Je suis parti avec juste une torche, j'ai trouvé trois œufs en chemin, que je placerai dans mon Ender Chest après. Là, je vais voir si c'est les PNJ que j'ai vus qui prenaient ces objets rares existent toujours déjà. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Nether Star, œuf de dragon, ok. C'est un peu hors de mes moyens. Ah voilà, alors le name tag compte deux émeraudes. Une armure en fer contre une émeraude. Une armure en or contre deux émeraudes. Qu'est-ce qu'il y a après? Armure en diamant. Et lui, disque. Ah, j'ai perdu un de mes disques avant. C'est dommage. Par contre, apparemment, les selles ne sont pas utilisables. Ah, de l'acacia. Bucket Ice, Dark Oak. Ça, je pourrais les récupérer. Je sais où en trouver. J'ai quand même pas mal exploré avant de me faire tuer. Du poisson. Encore du poisson. Et ici, 5 diamants, 23 de fer, 12 d'or. Bon, ben en tout cas, apparemment les selles ne peuvent pas être échangées. Mais par contre, ben, j'ai quand même, voilà, je suis à 6 émeraudes, c'est pas beaucoup, mais je vais essayer d'aller récolter un peu de bois. Faudrait encore quelques diamants en plus, ce serait pas mal. Ça me permettrait de me faire une hache en diamant et d'aller récolter rapidement beaucoup de bois rare. Bon, j'ai encore potentiellement quelques émeraudes en plus avec ces deux disques. Mais voilà, je vais tout remettre dans le coffre. Et je vais vous laisser là. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre un pouce bleu, ou vous abonner à ma chaîne, comme vous voulez. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Que dire d'autre autrement? Ben, vous avez vu que là, il y a eu quelques jours depuis la première vidéo, mais je vais essayer d'en mettre encore ce week-end. Je vais essayer d'avoir un peu de régularité sur cette série. Même si ce sera pas forcément toujours des longues vidéos, peut-être juste des fois pour parler pendant 5 minutes de ce que j'ai fait. Et donc je vous dis à la prochaine dans la cité des émeraudes. Bye bye!